Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement voir comment fonctionne le logiciel Unfreeze, donc un logiciel d'animation GIF, et donc en gros on va voir un petit peu combien de CS il faut pour que une image dure un certain nombre de frames. Et donc du coup, donc ça franchement, prenez pas en compte ça, on s'en fout. Tout ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que, en gros, si vous avez sur votre logiciel de montage, vous avez un nombre d'FPS. Hein, voilà. Donc moi personnellement, regardez comment je vais voir. Moi, c'est du Adobe Premiere. Vous n'avez pas forcément ce logiciel de montage là. Allez voir sur internet. Normalement, vous pouvez savoir. Vous tapez comment savoir le nombre de FPS de mon logiciel de montage, un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Ou changer les FPS de mon logiciel de montage. Ils vous diront un petit peu où c'est. Voilà. Donc moi personnellement, voilà, je vais dans séquence. Réglage de la séquence, et là 30 images par seconde, ça c'est mon nombre de FPS, donc je peux changer. Vous imaginez 23,976, ah comment tu dois t'embêter après à faire le rapport et tout, savoir la valeur de, enfin bon, bah voilà, c'est comme ça que tu sais un petit peu le nombre de FPS. Donc si t'as du 25, tant mieux, de toute façon tu peux changer, hein. Si t'as envie tu changes, tu mets en 25, 30 ou 50 ou 60. Donc si t'as du 25, du 30, du 50 ou du 60, y a pas de soucis, t'as juste à reprendre les trucs en orange là. Donc si t'as du 30, tu prends du 9. Si t'as du 25, tu prends du 6,5, 25. Si t'as du 50, tu prends du 25. Si t'as du 60, tu prends du 36. Voilà. Et en gros, le truc, c'est que si t'as pas ça, et ben t'es obligé de faire tout un calcul. Obligé de savoir combien de TI pour temps de 16 par rapport au nombre d'FPS que t'as. Enfin bon, c'est un truc assez. Voilà. Vaut mieux pas. Vaut mieux que tu sois dans les normes 25, 30, 50, 60. Après, une fois que tu es comme ça, tu veux savoir le nombre d'images. Par exemple, enfin, tu veux savoir le nombre d'images. Tu veux, par exemple, je sais pas, tu veux que ton. Regarde, tu vois là, la reine 1, là, elle dure un certain nombre de frames. Et tu veux qu'elle dure, par exemple, 32 frames. Moi, personnellement, là, elle dure 32 frames. C'était justement l'exemple que j'ai fait juste avant. Enfin, juste avant, pour moi. Donc, c'était. Enfin, voilà, c'est 32 frames. Et ben, justement, pour qu'elle dure autant de temps, imaginons, moi, mon logiciel de montage était en 30 FPS. Du coup, il faut que je prenne la VF de 9. Hein, voilà, c'est le 9. Si t'es en 25, tu prends 6,25, et ainsi de suite, voilà. Et donc, moi, j'étais sur 30 FPS. Du coup, là, au niveau des TI, j'ai mis le 32 TI. Donc, 32 TI, c'est le nombre de frames que va durer ton image. Et donc, du coup, eh ben, tu mets 32 TI, donc 32 frames, en gros. 32 TI divisé par 9. Donc, la valeur du FPS. Donc, en l'occurrence, c'est parce qu'on est en 30 FPS. Du coup, ça va te donner un truc. Donc moi, ça m'a donné un, ça m'a donné, je sais plus du tout combien ça m'a donné. Ça m'a donné un certain nombre, donc de A. Donc je crois que c'est, j'ai plus combien c'était de A. Ça m'a donné un certain nombre. Après, j'ai fait x 30 FPS. Ça m'a donné du 106, virgule 6667, donc juste là. Regardez, hop, voilà, ça m'a donné ça. CS, ouais, c'est ça, CS. Du coup, j'ai rempli 106 CS sur mon frame delay ici. Et après, du coup, sur mon logiciel de montage, juste là, et eh ben j'ai eu du 32 FPS, enfin 32 frames pour une image, voilà. Donc après l'autre image, hop, pareil, voilà, ça passe à l'autre image au bout de 32 frames, et l'image dure 32 frames, voilà. Après ça repasse à une autre, et ça dure encore 32 frames, et ainsi de suite. Voilà, donc du coup, on va tout simplement lancer notre, enfin lancer, il est déjà lancé, ouais, effectivement. Donc voilà, là il y a déjà des images mises dedans. Donc tu prends bien sûr des gifs, hein, voilà, donc ils sont là. Tu prends des gifs, tu mets ce que tu veux, hein. Tant que c'est des gifs, il n'y a pas de souci. Tu mets ce que tu veux, voilà, hop. Après, du coup, nous on va faire un test. On veut, je sais pas, on veut qu'il y ait, on veut que ça dure, allez, 15. On va voir ça, attends, on va voir ça ensemble. On va prendre une calculatrice, non, c'est juste là, je me suis trompé. Hop, calculatrice, normalement on trouve facilement, voilà. Allez, merci. Donc là, on va le calculer. Tu vois, on va se faire ça ensemble, on va faire n'importe quoi. Je sais pas, on veut que ça dure. On veut que ça dure combien de frames? Allez, 9 frames. Non, il n'y a pas de. Ouais, c'est bon, ok. Donc on veut que ça dure 9 frames. Pour ça, on va aller sur les CS, pour savoir combien il faut de CS. Donc pour 9 frames. Pour ça aussi, effectivement, il faut que je sache combien fait de FPS mon logiciel de montage. En l'occurrence, normalement, il fait du 30, je crois. Du 30, non, c'est pas là, c'est séquence. Réglage de la séquence. 30 FPS, ouais, donc 30 images par seconde. 30 FPS, voilà. Donc, moi, ça fait 30 FPS, nickel. Et donc, du coup, bah, par rapport à ça, normalement, j'ai. Oh, attends, attends, attends. Et arrête de me saouler. Dis-le, casse-toi, franchement.
Putain, c'est un truc de fou. Alors voilà. Donc nous, les 30 FPS, ça nous donne un rapport de... Voilà, donc une valeur de 9. Donc cette valeur-là, on la prend. Donc on a une valeur de 9. Donc on fait nos 9 images divisées par 9. Ah bah du coup, ça fait 1. Bah c'est pas compliqué, hein. Je pense que tout le monde fait ça. Regarde. Enfin, tout le monde sait faire ça. Donc 9 divisé par 9 VF, du coup, pour les 30 FPS, ça égale à 1. Voilà. Bon, j'avoue que c'est pas forcément très judicieux. C'est quoi? On va prendre autre chose. 32, tiens. 32, allez, on est des fous. On va faire du 32. Hop. Voilà, donc 32 divisé par nos 9 égale 3,55555. Donc ça, c'est le nombre de A. Donc, enfin, c'est le nombre de A. C'est, ouais, c'est le A, quoi. La valeur A. Et donc cette valeur A, eh ben, on va la faire fois le nombre d'FPS. Donc fois, il est juste là. Voilà, je suis un peu biglou. Donc 30 FPS, voilà, va égaler, enfin, va égaler, oui, effectivement, va égaler 106 CS,6, donc le virgule 6, tu vas pas vraiment pouvoir le mettre. Non, en fait, tu vas pas pouvoir le mettre du tout, je pense. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Bon, de toute façon, on s'en fout, on n'est pas à ça près, hein, c'est vraiment à peu près, quoi. Franchement, t'es pas non plus à ça près, si. Ça m'étonnerait. Voilà, du coup, tu mets tes 106. 106 CS, voilà. Donc du 106, voilà. Bah, que tu mettes loop animation ou pas, ça change rien. Donc bon, qu'est-ce que je te dis, coche-le, hein, à la base, de toute façon, il est coché à la base. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre animation GIF. Et là, du coup, on est sur du... bon, on va appeler ça comme on veut. Hop là. Hop, voilà. On l'a créé. Hop, donc moi, je l'ai créé sur le bureau. Hein. Vous le créez là où vous voulez. Hop, ouais, là, on a les logiciels, voilà. Hop, et normalement il est ici, voilà, donc il est juste là. Je vais le mettre sur mon logiciel de montage. Hop, donc il est en 30 fps, je vous le rappelle. On va mettre ça là. Voilà. Et donc en gros, on va voir combien de on va voir combien d'images, enfin de frames ça dure une image. Donc là, la première image, c'est arène 1. Après, la deuxième image, c'est arène 2 là, pour ceux qui connaissent Clash Royale. Et la troisième image, c'est l'arène 8. Voilà. Donc, la reine de glace, quoi. Alors, et pas la reine des neiges. Alors, je suis désolé. Oh non, je viens de me rendre compte de mon jeu de mots. J'ai même pas fait exprès. Oh, mais c'est magnifique. Oh, je suis... Ah, non, même. Ah, je suis en forme aujourd'hui. Oh, ça fait plaisir, ça. Pouh. Moi, j'aime bien sortir les jeux de mots à la con, comme ça, j'adore. Donc, alors, là, on a une image, déjà. Ça fait déjà un. C'est déjà bien. Quoique, attends, non. Non, voilà, il faut cliquer. En fait, à chaque fois... on va cliquer à chaque fois et on va compter une frame de plus, si tu préfères. Donc, sur le coup, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, et bam, le 32, ça change, t'as vu? Ça dure 32 images. 32 frames, si tu préfères. T'as vu? L'image dure 32 frames. Et là, ça va être pareil pour la deuxième. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Et voilà. T'as vu? Eh ouais, mais t'as vu, hein? Ah, c'est bon, ça. Du coup, maintenant, tu sais combien ça dure d'image. Donc, à chaque fois, moi, vu que c'est du 30 FPS, ça va durer... 30 images plus 2 images. En gros, ça va durer 1 seconde parce qu'en 1 seconde, il y a 30 images sur mon logiciel là, actuellement. 30 FPS, ça fait 30 images par seconde. Donc, ça veut dire que ça va durer 1 seconde plus 2 petites images. Tu vois? Tu vois le truc? Donc, ça veut dire 2 trentièmes d'une seconde. Voilà, en gros. Ça va durer 1 seconde plus 2 trentièmes d'une seconde. Bah, je sais pas si tu comprends bien, mais bon, voilà. Et t'as vu, ça fonctionne bien. Hein, eh ouais, non, mais j'ai mis comme ça au hasard. J'ai mis 32. Voilà, 32. Tu mets n'importe quoi, ça fonctionne. Et donc, du coup, bah, c'est nickel. Franchement, on est plutôt bien à ce niveau-là. Et c'est pour ça, c'est pratique. Au moins, suffit juste de faire le calcul là. Et puis, c'est bon. Il suffit juste de connaître les FPS de son logiciel de montage. Tu les mets, enfin après du coup t'as le rapport. Si tu l'as pas, t'es obligé de te faire un calcul monstrueux. Mais si tu l'as,
Bah, je vais te montrer le calcul, voilà. Enfin, ouais, même comme ça, tu comprendrais pas forcément ce que j'ai fait. Et donc, du coup, bah voilà. Donc, si tu c'est d'abord là-dessus, enfin, si c'est déjà là-dessus, donc 25 FPS, enfin, si c'est sur 25, 30, ou 50 ou 60, tu peux reprendre mes calculs, y a pas de souci, tu peux reprendre mes valeurs, y a pas de souci, elles sont bonnes. Bon, allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool. Allez hop, histoire de faire durer la vidéo encore plus longtemps, j'ai oublié de vous dire un truc, je mettrai ce que vous voyez là, je le mets en téléchargement dans la description. Au cas où vous avez pas, j'enregistre sous, s'il vous plaît, merci. Voilà, oh, c'est très long, merci. J'enregistre sous en doc, je vais mettre lequel ? Bah celui-là, allez hop, voilà, en doc, nickel, au moins ça fera deux sortes différentes. Conserver le format actuel, voilà. Et donc du coup, si jamais vous n'avez pas les deux là, eh ben je vous mets tout simplement en texte, voilà. Bon, c'est pas non plus fameux, enfin c'est pas aussi bien coloré tout ça, mais c'est pareil, voilà, tout simplement. Donc je vous le mettrai en texte aussi, voilà, donc voilà, tout simplement. Et puis c'est tout, bah c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et donc c'est dans la description, téléchargement, c'est tout en même temps, hein, donc voilà. Bah bon, on va pas non plus s'embêter à faire trois téléchargements différents, t'imagines, sinon, oh. Voilà, donc bah moi, je vous laisse vraiment sur ce. Allez, et n'oubliez pas aussi, restez cool. J'ai peut-être oublié de le dire.